Je suis tout seul. J'attends l'ouverture du magasin. J'achète trois petites bricoles parce que avec les restes, j'ai de quoi tenir jusqu'à Kotokaino demain soir, je pense. Je vais retourner à l'appart. 10h20. Me voilà en chemin, bord de route à Masy. C'est reparti et maintenant je suis tout seul. Masy Tourist Center, a priori fermé. Donc effectivement fermé, mais ils font toujours refuge en appelant par téléphone pour pouvoir occuper une cabine. Mais il n'y a plus de restaurant. Cette fois sur la nationale, nettement plus de trafic. Bon, on est prudent. J'ai un petit kilomètre, un ou deux kilomètres, je crois, à aller devant là, avant de retrouver la bifurcation de l'E1. Tout est fini. Enfin, du sentier. Bon, 5 km d'asphalte depuis le gîte, épicerie, église, arrêt de bus. Et maintenant, retour vers l'aventure. Quelques endroits plus embroussaillés que d'autres. Là, ça va, c'est bien dégagé. Une boîte. Ah, il y a un papier pour une course, je pense. Bon, sur la hauteur ça va, c'est plus tranquille pour les moustiques, mais il faut replonger. Et remonter, et replonger, et remonter. Ouais. Et des chemins multiples, sans marquage, on sait jamais trop lequel prendre. Là, il me semblait être sur un chemin qui m'écartait de ma direction. Donc, je suis un peu passé par les buissons pour finir par retrouver une bonne trace. J'aimerais bien trouver de l'eau qui ne soit pas stagnante pour pouvoir ravitailler un peu en eau. Je suis un peu court là, c'est aride. Pas grave, on avance. Enfin, ici, il y a de l'eau partout. Au pire, je vais filtrer ce qui me plaît pas. Je vais me détourner légèrement de la trace pour aller faire ma pause, aller chercher de l'eau dans ce petit lac parce que sinon j'ai rien.
filtrer. Là, j'ai quand même envie d'un café et de manger quelque chose. Bon, ben, une bonne première section depuis Mazy. 14 km, un peu moins de 3 heures. Eh bien. Place nette après la pause. On retourne vers un chemin parcheminé, craquelé. Incroyable, incroyable de voir ça aussi sec. Heureusement que quand même, il y a les lacs pour faire des grandes réserves d'eau, pas prêtes de s'assécher. Des lacs qui sont de véritables petites mers intérieures. Alors, quand une route en pointillé rencontre une route en trait continu. Il est temps de se trouver un coin de pause. Donc je sors de la route de gravier et je descends vers la rive du lac qui est là. Il faudra que je remonte, mais que ne ferait-on pas pour un joli spot de pause ?
on se rend à ce grand lac. Que par là-bas, on peut se tenir plus près de l'eau, tranquillement, sans se mouiller. Je crois que je ne me suis pas trompé. Et en plus, il semblerait que les moustiques soient assez tranquilles. Ce serait cool. Bon, là c'est juste une pause. D'aucuns bivouaqueraient, mais c'est trop tôt pour moi. Eh bien, ce fut une très bonne pause. Une toute petite sieste là, touché le sommeil. Je me suis réhydraté, j'ai repris une petite provision d'eau pour une dernière session de la journée. Je suis à peu près à 26 km de fait. On va voir où cette session me mène. Au-delà des 30, 35, 40, ça serait parfait. La question est de peut-être pas bivouaquer trop bas pour pas se retrouver dans les moustiques. Et revoici la longue route. Alors par là-bas au fond, je ne sais pas si j'arriverai à vous les faire apercevoir. Loin, 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 il y a des nuages qui montent en chou-fleur. Signe que il y a des lieux où des orages se forment. Bon. Ceux-là ne sont pas sur ma destination, mais j'en ai vu d'autres vers le sud. A priori, le temps doit commencer à se rafraîchir un peu demain. Donc demain vendredi, puis samedi, dimanche. Même carrément faire frais. Ça va me changer. Hop. Oh, je l'avais pas trop porté aujourd'hui. Et la moustiquaire de tête, bon, je l'ai mise un coup pour la sieste. Et puis là, je viens juste de la remettre. C'est le soir. Il y a une zone. Je traverse une zone un peu basse et marécageuse. Donc, ils sont un peu agaçants. C'est pas hyper intensif. C'est juste agaçant. Voilà. Donc, là, avec la moustiquaire de tête, je suis tranquille. Et je mets un peu de pchit à la citronnelle. Là où ils ont tendance à se poser. Et ça va à peu près bien. Pas évident de savoir ce que ça indique. Il n'y a plus rien de gravé. Peut-être que de ce côté. Non plus. Bon, bah, c'est une flèche. C'est par là. Non, ça n'est pas pour moi. Allez hop, je continue la route. Une série de traces de pas que je suis sur ce chemin. Une seule. Des voitures, des vélos, des 4x4, des quads, je sais pas, il y a quelqu'un qui marche devant, il y a une fille avec son chien, je le sais via Instagram, elle serait deux jours devant moi à peu près, après il n'y a pas plu, donc les traces restent longtemps. Mais très très peu de traces sur ce chemin. En fait, juste une, et maintenant deux avec la mienne. Par Karen, je présume. Dans des lieux comme ça, je me demande toujours si il n'y aurait pas un espace pour le voyageur de passage. Je voyais ces antennes tout à l'heure de très très loin. Maintenant je passe à côté au 30e kilomètre pour la journée environ. 31e, ouais, 31e. Je continue là parce que j'ai du jus, tout va bien, c'est facile. On va avancer.
fais un petit pari pour ce soir parce que je voudrais en fait atteindre les 40 km qui sont mon quota pour cette traversée. Et donc sur les jours qui ont précédé, j'ai marché au rythme de Sophie. Donc on a été en moyenne à 33, ce qui était plus que ce qu'on avait prévu, qui était 30, très bien. Mais quand même moins que les 40 qu'il faut que je fasse si je veux compléter le Norgepalangs dans les temps. Donc j'aimerais bien dès aujourd'hui, bien qu'étant parti à seulement 10h30 ce matin, j'aimerais bien dépasser les 40 km et commencer à me réaligner sur mon timing. Et les conditions sont parfaites, parce que là de toute façon la route est il suffit de se mettre en mode automatique, il fait beau, températures sont agréables, il faut un petit 16 degrés, là ça descend petit à petit, il y avait 21 là dans l'après-midi, au soleil ça chauffait un peu quand on soulevait fort, mais là 16 degrés c'est très très agréable au soleil. Un pont, c'est si rare. Je vais plus trop tarder. Je vais prendre le risque d'aller bivouaquer près d'un grand lac par là-bas. Je pense que ce sera pas mal en moustiqué. Mais bon, je me fous à l'abri et ça le fera. Demain matin à la fraîche, ce sera plus calme. Alors, je quitte mon bout de piste pour aller vers ce lac. Je sais pas ce qu'il y a comme espace un peu ouvert et sec, évidemment, qui permettrait. Non, c'est marécageux par ce côté-là. Je vais le refaire par la piste là derrière. Hop. J'ai les traces de la marcheuse et de son chien. Ouais, d'après la carte, je pouvais espérer des abords plus secs, mais non. Marécageux. Bon, donc les options sont plus compliquées. Il me faut de l'eau et un espace plan. Est-ce que je vais en chercher dans le lac là? Je vais me tremper. Là. Peut-être par ici, j'attrape de l'eau et comme ça après au premier point plat je prends. J'ai récupéré de l'eau. Avec un temps énorme là qui me harcelait. Pas encore trop de moustiques, mais bon. Hein? Donc non, le terrain s'y prête pas. Mais maintenant que j'ai le plein d'eau, le long de la piste, il y a régulièrement des terrains plats et secs. Donc c'est ce que je vais essayer de trouver à l'écart de cette zone marécageuse. Et me revoilà sur la piste. Bon, j'ai passé les 40, donc je vais compléter un peu au-delà des 40. Dernière tentative, on va essayer de monter un tout petit peu là sur cette colline et trouver un petit espace là, plan. Sur la mousse, pas trop dans la forêt, si possible. Ah, j'aurais mis le temps, mais j'ai fini par trouver mon spot. Pouf.